500 mètres pour venir décrocher le titre de championne de France du 500 mètres. On est bien du côté du raqueur Sandrine avec le dossard numéro 4 et Jeanine Hameau aux avant-postes. Derrière, on a le dossard numéro 10. 12, l'Alba avec Caroline Flick. Attention, la cloche va retentir. Un titre à venir décrocher. Un titre de championne de France. Toujours le rack Saint-Brieuc aux avant-postes chez le National Dames. Remontée de l'Alba avec le dossard numéro 2, Caroline Flick. Du côté des gymnastes sportifs, on se fait tous aujourd'hui en téléphone pour repasser. Oula, arrivé très serré. On va allez, c'est parti, la finale est lancée du côté de nos nationaux. 500 mètres pour devenir champion de France dans cette discipline. Le club de Cavour va en poste avec Rémi Hervé, le 274. Le 294 qui remonte au tenu le poste de relance qui Martin Mayen Martini. La flèche retentit. Le pays vendéen en tête, Sébastien Bernal, champion de France du 500 mètres. Allez les Benjamines qui sont en quart de finale, vous allez à la chambre d'appel s'il vous plaît. Allez, c'est parti du côté de cette finale élite dame avec à vous. Nous avons poste Clément Salbou, le dossard numéro 85. On retrouve le club de Pibrac en deuxième position, le dossard 90, Isia Klaus. Du côté de Havon, on est revenu les deux sœurs. À bout de son maintenant aux avant-postes, la cloche de retentir du côté de Pibrac. On va venir faire l'effort pour passer. Toujours le 285 d'avant, Clémence Albou qui va venir. Donc je pense, attention, dernier sprint, remporter ce 500 mètres. Championne. Et c'est parti du côté de notre demi-finale élite homme, du côté de Provence, Méditerranée, le dessin numéro 11 d'Arène de Chiva aux avant-postes. On est remonté du côté des patineurs d'Herbauges avec Benjamin Pierre-Jean, le dessin numéro 18. Allez, la cloche va retentir, le dernier tour à effectuer pour venir chercher sa qualification. On remonte du côté du dossard numéro 12, Edline de Souza. Allez, les deux frères de Souza aux avant-postes chez nos élites. Edline et Darène. Qualification. Allez, c'est parti très fort du côté de Mouilleron, roller sport, Nicolas Péloquin, le dossard numéro 22. Juste derrière Nicolas, on retrouve le dossard numéro 9, Joris Gardère de Valence roller sport. Elle en troisième position, les patineurs d'Herbauges avec Ewen Fernandez qui porte le dossard numéro 17. Je vous rappelle que les deux premiers sont qualifiés. Toujours Nicolas Préloquin en tête avec le dossard 22 de Mouilleron roller sport. On est remonté du côté des patineurs d'Herbauges avec le dossard numéro 17. Magnifique sprint, oula! Arrivez l'appel, s'il vous plaît, le demi-finaliste Benjamin Benjamin à la chambre d'appel, s'il vous plaît. Allez, c'est parti du côté de nos élites hommes. C'est le dossard numéro 11, nous avons poste d'Arène de Souza, roller provence Méditerranée. Donc derrière, on retrouve le dossard 22, Nicolas Péloquin de Mouilleron, roller sport. Attention, la cloche retentit. Qui va venir chercher le titre d'un champion de France? Toujours Provence Méditerranée en tête avec le dossard numéro 11. On repasse, oui, on essaie de passer du côté du dossard. On vient d'arriver. Qui va se jouer sur le sprint? Qui va être le champion de France? Oula!